Yo les gars, on se retrouve pour une première vidéo sur ce FIFA 22. Comme l'an passé, on va voir ensemble quelle carte choisir pour ce premier palier. Car même si vous n'avez pas encore le jeu, on a déjà les infos sur la première saison et donc les infos sur les 3 cartes à gagner au palier 30 de cette première saison. Pour clarifier et être objectif pour cette saison, on va utiliser une grille afin de définir le meilleur choix. Donc à chaque fois, pour chaque joueur, on va analyser différents critères et on va s'y tenir pour chaque saison. En premier critère, j'ai choisi la méta du joueur par rapport à son poste, voir en gros si c'est une bonne carte, c'est quand même la base. En deuxième, la jouabilité du joueur, donc de la carte par rapport à son championnat et sa nationalité. En effet, c'est souvent plus intéressant un joueur français de PL qu'un polonais de ligue chinoise. Et en troisième, du coup, une fois qu'on aura traité le championnat et la nationalité, voir un peu la concurrence à son poste. Car si le joueur est d'un gros championnat ou d'une bonne nationalité, mais qu'il y a des meilleures options à son poste, pour moins cher, ça sert pas à grand chose d'aller sur ce joueur. Et en dernier, un petit point bonus, tout simplement pour celui qui a le plus gros gène, car on le sait, à moyen, long terme, toutes ces cartes finissent dans un SBC. Et du coup, trêve de bavardage, on attaque tout de suite avec les 3 cartes de cette saison 1. En premier, on a Gustavo Bou, joueur argentin de MLS, qui évolue au poste de buteur, avec un joli double 4 étoiles, 1m78 au compteur, bien sûr, quand il met du gel. On remarque aussi qu'il a 2 boucles d'oreilles, donc choix assez audacieux, on peut le dire. Et niveau caractéristique, il a flair qui est intéressant. Et extérieur du pied, donc plutôt bien quand même à ce niveau là. Malheureusement niveau rendement, vous voyez qu'il est moyen en attaque, donc pas idéal pour multiplier les appels de balles et se rendre disponible. Par contre niveau stats pur, 84 d'accélération, 86 de vitesse, 82 de positionnement, 84 de finition, un très gros 96 de puissance frappe, 86 de long shot et que des 80 dans tout ce qui est dribble. Un beau jeu de tête, une détente exceptionnelle, de la force et un jeu de passe correct. Vraiment c'est donc un attaquant assez complet avec peu de défauts que nous offre IE pour ce début de jeu, donc niveau jouabilité je lui mets entre 2 et 3 étoiles, 3 étoiles étant le maximum et je pense que tout le monde veut des attaquants de 90 de vitesse, je pars plus sur un 2,5 pour sa jouabilité car il est vraiment très complet, puissant et peut même jouer en MOC pour un début de jeu, c'est assez sympa. Critère numéro 2 du coup on passe à la jouabilité, alors joueur donc de MLS, et là franchement pour moi c'est mort cette année. Ça manque cruellement de joueurs rapides hormis Martinez qui a une jolie carte. C'est vraiment très faible, sans carte spéciale, Nani est beaucoup trop lent. Matuidi reste correct, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en MLS. Du coup à ce niveau là, pour moi c'est un 0 pointé. Et niveau argentin, il y a quand même du très très lourd, surtout en attaque. Pas mal de joueurs corrects quand même au milieu de terrain. Exceptionnellement cette année on a même un très très bon gardien en Argentine. Et on a même une défense qui peut tenir le premier mois sur FIFA, un peu plus lent à gauche et plus faible à droite. Mais de quoi faire quand même une équipe pas dégueulasse. Même si pour moi il vaut quand même mieux réussir à faire une hybride je pense au niveau de la défense et garder juste l'attaque de l'Argentine. Donc niveau jouabilité, donc je lui mets la moitié, c'est à dire une étoile et demie. Et du coup par rapport à son poste et en Argentine donc, bah vous le voyez il y a justement pas mal de possibilités, c'est à dire par exemple Dybala, Martinez ou Correa. Et si je dois choisir perso, je le mets après ces 3 en concurrence plutôt avec Correa. Mais les 3 vous aideront plus à faire une hybride facilement que lui avec toujours le problème de cette MLS. Et Martinez, niveau pointe, est vraiment le plus intéressant avec sa caractéristique tête puissante. Donc vraiment perso, mitigé, je lui mets qu'une étoile car c'est vrai qu'il est dans une équipe jouable. Mais dans une équipe d'Argentine, c'est pas pour moi le choix évident que j'ai envie de prendre en attaque quand on a des tels joueurs à côté. Du coup, une étoile pour cette première carte, on est donc à 5 sur 10 pour l'instant, et il n'y a pas de point bonus pour cette première édition, car tout simplement, les 3 cartes sont à 84 de général. Du coup, on peut passer au choix numéro 2, un ailier gauche brésilien qui joue donc en Ligue Turque, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, comme on le voit, il est droitier, donc pour un droitier à gauche, c'est un peu dérangeant, car pour centrer, il faut limite revenir à chaque fois sur son pied droit, surtout que les têtes sont, paraît-il, mieux cette saison, d'autant plus qu'il n'a que 79 en centre. Donc vraiment, c'est plus une carte destinée à un 4-3-3 en rôle d'attaquant, car niveau caractéristique, on voit tout de suite, il n'a pas flair, ni tir en finesse, ni extérieur du pied. Donc dans un rôle d'attaquant, ça peut quand même pêcher également. Par contre, il a toujours joueur solide, ce qui est quand même très intéressant dans les duels. Niveau rendement, il a offensif élevé, défensif moyen, donc c'est parfait. Il a une très grosse agilité, et niveau stat pur, on voit vite, grosse agilité, grosse vitesse, grosse puissance frappe. Franchement, c'est jouable, surtout en début de jeu, mais malheureusement, le palier 30, ce n'est pas tout de suite que vous allez l'atteindre, donc il y aura sûrement pas mal d'alternatives d'ici là. C'est quand même un ailier gauche de base, et qu'il n'est pas fait pour jouer sur l'aile gauche, n'a pas les caractéristiques vraiment d'un ailier, je lui mets seulement une étoile pour ma part. Il a de grosses qualités, mais également de grosses lacunes. Alors là, ça va aller vite, niveau Turquie, c'est mort, franchement, il n'y a rien. Même Texera était trop diminué en vitesse, donc injouable pour moi cette année. Par contre, si on regarde pour le pays, évidemment, là, Brésil, tout le monde connaît. Zumba, café et carnaval.
c'est juste le top avec la France. Donc je lui mets un 0 pour le championnat, mais le max pour l'internationalité. Donc je le mets à 2 étoiles, car une full Brésil, c'est assez facile à faire et c'est assez répandu dans FIFA. Et du coup, on va juste regarder les alternatives pour le Brésil, c'est logique. Et à son poste, on voit que des joueurs plus rapides, il y en a. Mais par contre, niveau frappe, c'est quand même le seul qui tient la route avec Neymar, que vous n'aurez peut-être pas justement dans un mois. Maintenant, comme j'ai dit, comme ailier, je lui préfère un Vinicius qui a les gestes techniques et la vitesse, qui sera hyper cher au début, mais avec un 82 gêne assez packable en invendable et surtout largement diminué d'ici à ce qu'on atteigne le panier 30. Mais ça reste un choix intéressant en fonction de votre manière de jouer. Pour moi, c'est utilisable à court terme, voire moyen terme, donc je lui mets quand même aussi un joli 2 étoiles à ce niveau-là. Du coup, pour Harley, 5 étoiles également, pas de bonus, donc on est sur un 5 sur 10. Entre ces deux-là, si vous voulez un attaquant, ça sera plus en fonction de votre affinité. Et en dernier, donc, on finit par Pedro Porro, arrière droit donc espagnol de Liganos. Double 3 étoiles, mais en rôle de défenseur, c'est pas gênant. Un gros rendement élevé, assez rare pour les latéraux si ça reste comme l'an passé. Surtout dans une défense à 5, c'est vraiment très intéressant. Une grosse vitesse à 88, un manque d'accélération à 81. Étonnant, mais il frappe quand même plutôt bien pour un défenseur. Même si c'est difficile d'être en position de frappe à ce poste-là, ça reste un bon passeur, un bon centreur. Il est complet niveau agilité, équilibre, il manque un peu de jeu de tête. Donc encore une fois, mieux dans une défense à 5 qu'à 4. Stats défensifs moyenne mais correct. En début de jeu, vraiment une très très grosse endurance. Donc vraiment pour moi, très utile dans un rôle de piston sur le flanc. Un peu moins si vous décidez de le faire dans une défense à 4. Donc jouabilité, je lui mets 2 sur 3. Parce qu'il est vraiment pour moi destiné aux défenses à 5. Pour moi, c'est dans le top 3 des défenseurs droits pour l'instant. En Liganos, cette année, en début, il y a quand même moyen de faire une petite équipe cheatée, surtout en défense. Pepe a une carte tout simplement exceptionnelle. Il y a également la carte de Verissimo qui est jouable et celle de Vertonghen qui a été bien boostée en vitesse. Donc, c'est jouable en défense à 5. Vraiment, il y a moyen d'aller faire une belle hybride avec une défense de Liga à moindre coût pour vous consacrer vos crédits à votre attaque. Et pour le pays, l'Espagne donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de fortes cartes au milieu de terrain. C'est pas les meilleurs DC, mais c'est au-dessus de l'Argentine quand même. Il y a 2-3 attaquants assez rapides, je pense par exemple à Iñaki Williams. Donc je lui mets carrément 2,5 sur 3 à ce niveau-là, car le championnat est jouable et la nationalité également. Et du coup, niveau jouabilité, bah en Espagne, on voit directement qu'il y a la carte de Jesús Navas, qui me semble légèrement au-dessus. Par contre, là où il est très intéressant, c'est à long terme dans une Liganos. Il n'y a que Wilson Manafa qui tient la route, mais qui est clairement limite en défense. Donc la meilleure option en Liganos, et ça à mon avis pour très longtemps, donc dans les défis ou quoi, c'est intéressant. Donc même si c'est la meilleure option du championnat, il y a quand même une option meilleure que lui en Espagne, ce qui fait que je lui mets également 2 étoiles. Donc j'arrive à un total de 6,5, car toujours pas de points bonus, qui est quand même largement au-dessus des autres. Donc vous l'avez compris, la meilleure option pour moi, c'est Pedro Porro. En plus, vraiment, ça vous évite d'investir dans une défense, et clairement, ceux qui voient le côté un attaquant pour démarrer, n'oubliez pas que c'est au niveau 30. Donc je pense pas avant novembre que vous aurez cette carte. Et ça, dans FIFA, c'est super loin. Je pense même qu'aucune des trois cartes sera vraiment intéressante d'ici là. Néanmoins, Pedro Porro, comme je l'ai dit, restera la carte la plus facile à utiliser en défi, dans une hybride Liga par exemple, car il restera longtemps la meilleure et seule option de Liganos, là où les autres seront largement dépassés. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle note tu donnerais aux trois joueurs selon toi et quel choix tu aurais fait, car ça reste très objectif et c'est toujours sympa d'avoir un retour sur votre avis. Et pour ceux qui connaissent toujours pas, je vous invite à découvrir Sorare, petit jeu foot basé sur la crypto-monnaie Ethereum, super intéressant, un jeu français en plus, où perso j'ai déjà gagné quelques centaines d'euros ces derniers mois. Entre les récompenses et quelques trades, donc pour les fans de FIFA et de foot, rien de mieux que Sorare pour gagner un peu d'argent tout en vous amusant. Je vous montre ici quelques trades où j'ai fait des bénéfices de simplement x2, malheureusement les prix ne s'indiquent pas sur les offres directes, mais ici par exemple sur Ani Mukhtar, joueur que j'ai découvert d'ailleurs sur FIFA 21, je l'ai acheté 99,50€. Encore, j'ai fait deux fois ce trade là avec cette carte là. La première que j'avais acheté encore moins cher. Et il m'a rapporté pas mal de rewards grâce à ses performances. Et en plus, je l'ai revendu, vous voyez, 516€. Simplement énorme. Plus de 400€ de bénéfices sur une carte. Donc, si tu veux découvrir Sorare, le lien est dans la description. Un petit message avant dans les commentaires et je t'aiderai à faire les meilleurs choix pour démarrer. Que ce soit dans les commentaires ou en privé sur Discord. C'était Lordzone. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.